récupéré par cette défense. Bachir Tebaïk, qui joue bien à droite, l'arbitre leur demande de rejouer le coup franc. Au milieu de terrain avec Tamer Abdelhamid. Tiani, Tiani qui fait une faute. Tiani qui fait une faute devant Tarek Saïd. Il est dangereux ce Tarek Saïd. Long ballon devant Antari Ayakia ou bien Zapour qui récupère ce ballon. Montouri n'arrive pas, ne réussit pas à avoir ce ballon de sa tête. Nader Saïd bien récupéré, très bien récupéré par Montouri directement sur Belmadi. Il est parti de l'autre côté bout à bout. Belmadi contrôle et casse en jeu. Aïe, aïe, Jamel. Bien récupéré directement sur Kraouch. Kraouch qui joue sur Mamouni. Mamouni loin devant. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas sur Chabat. Il faut les presser sur leur territoire. Si j'ose dire ça. Directement, Zapour, attention, il est long, Zapour, il a récupéré ce ballon. Bien joué, directement sur Ziani. Ziani qui accélère à droite, bien joué. Ballon perdu, encore une fois. Attention, Ziani, il le récupère. Il le joue bien avec Kraouch Mansouri. Mansouri, non, il a bien vu, sur bout à bout. Il contrôle ce ballon, il tourne. Il joue bien avec Ziani. Ziani qui joue son ballon avec bout à bout, il va bien, oh, il est bien, il accélère, oh, c'est un coup franc, c'est magnifique. Hein. Ah, il couvre bien son ballon ce bout à bout. Il a 21 ans bout à bout, Chevrad il a 21 ans, plutôt 24 ans, Chevrad il a 21 ans, Ziani Karim il a 22 ans, Antalya il a 21 ans, cette jeune équipe algérienne qui a de l'avenir, certainement elle a de l'avenir. Il faut essayer de jouer des deux côtés. C'est la première première attaque à droite. Ça a amené un intéressant coup franc pour les Algériens. Il faut pas jouer. Très bien joué, Réperson Ziani. Oh là là, c'est magnifique. Il revient sur Jamel Belmadi. Il est dangereux, cette action. Belmadi, corner. Premier corner de cette partie. On joue la 13e minute de jeu, 0-0. Jamel Belmadi, bien joué sur Ziani. Le public qui est en train d'attendre ce but libérateur pour les Algériens. Allez, Jamel Belmadi, à la gauche des bois, gardé par Nader Saïd, le keeper du Zamalek. Très bien joué. Oulala! Catapulter le ballon au fond des filets de Nader Saïd. Donc 15-0 pour l'Algérie, il faut gérer les jeunes. Allez les verts, il faut gérer les minutes qui viennent tout de suite après le but. Attention, il faut se reconcentrer. Le match est encore long, très long. Bien joué, monsieur l'arbitre, il faut nous donner un carton jaune parce qu'il y a simulation là. Monsieur l'arbitre, il y a simulation de Mido. Oui. Formidable simulation, extraordinaire. Avertissement pour Mido. Extraordinaire avertissement pour Mido. Donc l'Algérie qui mène après 15 minutes. S'il vous plaît, monsieur le réalisateur, montrez-nous ce public magnifique. Il est magnifique ce public. Il a joué un rôle extraordinaire. Ils sont nombreux, ils seront nombreux. Le public algérien ici à Tunis, ils ont été très bien reçus. Ils sont très bien ici. Ils sont nombreux, c'est magnifique. La fête a commencé seulement. C'est un match qui a commencé. On gagne 1-0. Un quart de jeu. Il faut jouer encore les Algériens. Long ballon de la part de Zapour. Oh combien ils étaient nombreux devant le ballon les Algériens. Ça montre cette volonté extraordinaire de la part des joueurs algériens. Combien ils étaient nombreux sur le corner de Jamel Belmadi. Bien joué sur bout à bout. Attention, le Sardine Kraouch qui récupère ce ballon. Ils vont de l'avant. Les Algériens. Kraouch qui récupère ce ballon. Il joue bien. Allez Chabat, allez Chabat. Oulala. Il a voulu surprendre ce gardien Nader Saïd du gauche.
de la part de Ardem El Charad. 22 secondes de Nader Seyed directement sur Antar Yahya. Bien joué de la tête vers Khaouch. Allez-y. Khaouch qui joue avec Malek Charad directement sur Mamouli. Qui loin devant directement sur bout à bout. Ça se joue bien de la part des Algériens. Il ne peut pas revenir derrière. Bien vu, bien joué Charad. Le ballon toujours. Qui n'arrive pas à récupérer ce ballon, Nader Seyed est dangereux, ça se joue sur un périmètre réduit, Antar Yahya ou bien Zafour qui récupère ce ballon, le ballon l'arbitre l'a joué, c'est magnifique, calme le jeu directement sur Ziani de la part de Khaouch qui est contraint de commencer une bonne partie, bien joué entre Ziani et Nader Magui, Ziani qui accélère sur la droite, il va gagner un corner. Il va bénéficier d'un corner. Non, il a perdu ses balances. Sa derrière revient Ziani. Directement sur le numéro 11, Tarek Saïd, qui accélère au milieu de terrain avec Tamer Abdelhamid. Tamer Abdelhamid, encore une fois, sur Tarek Saïd. Il protège Ziani, il peut l'aider. Ziani à gauche. Il arrive, Ziani. Il arrive. Il est bon. Il bénéficie, non. Extraordinaire. Quel poumon d'acier. Ce petit Ziani à 1m65, 62 kg. Très rapide, très bon sur l'homme. Attention, deuxième poteau, Midou, il est de l'autre côté. Directement sur Chérard qui récupère ce ballon. Bien vu, derrière toi, il y a Mamouni, Malek. Il donne à Mamouni du pied gauche directement. Bout à bout, il est loin. Ballon récupéré par cette équipe Jizi égyptienne. Attention, Selim, Midou est derrière toi. Il n'y a pas hors-jeu, Midou est derrière, il faut le coller. Bien joué, Selim, sans faute. Ah, l'arbitre a fixé une faute. Allez, vite, vous vous replacez. Faut se replacer. Se replacer, se concentrer, s'organiser, ne pas perdre de vue notre adversaire individuellement et collectivement. Attention, long ballon. Oui, il est bon sur les balles aériennes. Première balle. Bon. Première balle, bonne prise. Bout à bout de contrôle ce ballon. Allez, Mostor, allez. Directement sur la défense, Rachel Koudaï qui revient derrière. Ah, ils jouent uniquement les balles lointaines et aériennes. Ces joueurs égyptiens qui sont fatigués, il faut l'avouer, il faut le dire. Les joueurs du Zamalek, du Al Ahly, de l'Ismaili, ils sont nombreux dans cette canne, ils sont fatigués, ils ont joué beaucoup de matchs. Bien, Ziani, attention, il faut être confiant, mais vigilant aussi. Ballon récupéré par Khaouch, son pote, bien joué. Ah, il faut oublier le but maintenant. Il faut oublier le but comme on a oublié le match contre le Cameroun. Il faut l'oublier. Midou qui récupère ce ballon. Non, c'est pas Midou, c'est Tamer. Ahmed Hassan, pardon. Le joueur de Fiorentina. Depuis Siktas, pardon. Allez, Malek. Ballon récupéré par cette équipe égyptienne. Bien joué au milieu de terrain. Ils se cherchent les Égyptiens. Ils n'arrivent pas à s'organiser. Ils sont pressés par ce milieu algérien magnifique composé de Mansouri, Khaouch, Jamel Belmadi qui revient souvent pour aider ses coéquipiers. Oh, attention Ziani, il était derrière toi, mon fils. Il était derrière toi. Jamel Belmadi, bien joué avec Khaouch. Il bénéficie d'une sortie de touche. يصاب بالرأس بجانب المرمى. حماس كبير واندفاع بدني تسبب منذ البداية في إنذار الجزائري عنتر يحيى مدافع باستيا الفرنسي. ركنية للمنتخب الجزائري ومتوسط الميدان معمر ماموني نجح في مغالطة دفاع الفراعنة وحارسها نادر السيد. هدف رائع لمتوسط ميدان لالوفيير البلجيكي. هذا المعطى أشعل نار الحماس وزاد من التشويق المنتظر في هذه القمة العربية تحت هتاف وتشجيعات الجماهير الجزائرية. ورجوع قلب الهجوم أحمد حسام ميدو إلى دائرة وسط الميدان للمس الكرة يترجم كل المتاعب التكتيكية للمنتخب المصري إلى حد ذلك الوقت. بعد ذلك أتيحت فرصة تعديل النتيجة لأبناء محسن صالح، لكن تصويبة الممتاز أحمد حسن مرت بسلام على الحارس الجزائري لونيس جواوي. والحيرة، كل الحيرة واضحة على وجه المدرب المصري محسن صالح. وعلى إثر هجوم معاكس تمكن مهاجم نادي الأهلي أحمد بلال من استغلال كرة طارق الصعيد في عمق الدفاع وعد النتيجة للمنتخب المصري. هدف أعطى شحنة معنوية كبيرة للمصريين، وبعد مخالفة من طارق الصعيد رجعت الكرة من جديد لقلب الهجوم أحمد حسام اللي كاد أن يفاجئ الحارس جواوي بعد أن لمست كرته الرأسية القائم الأيمن. ومردود متميز لمتوسط ميدان بشكتاس التركي أحمد حسن. نفس اللاعب خلق الخطر من جديد على يسار الدفاع الجزائري وتصدي ممتاز للحارس جواوي. ومعركة وسط الميدان
كسبها المصريون بفضل الرباعي ثامر عبد الحميد طارق السعيد وخاصة أحمد حسن وأحمد فتحي. مخالفة ضد الدفاع الجزائري بعد تدخل على أحمد حسين، وأحمد بلال صاحب هدف التعادل صوب بدقة على بعد بعض سنتيمترات على القائم الأيمن للحارس الجزائري لونيس جواو. ومن جديد فرصة مصرية للتسجيل ضيعها أحمد حسن دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول. نفس المعاينة واضطراب جديد في محور دفاع المنتخب الجزائري، وأحمد بلال فوت هو الآخر على إمكانية أخذ الأسبقية للفراعنة. ينتهي الشوط الأول بتعادل سعيد للمنتخب الجزائري مقابل تحسر مصري كبير على إهدار الفرص. ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الدفاع الجزائري تحمل عبء الهجمات المتكررة للمنتخب المصري في ظل صعوبات كبيرة لإخراج الكرة من قبل لاعبي المدرب رابح سعدان. إحساس المدرب سعدان بضعف مردود وسط الميدان أجبره على إقحام حسين الشيو متوسط ميدان اتحاد العاصمة مكان القائد جمال بالمادي. ورغم هذه التمريرة الذهبية من أحمد حسن إلى أحمد بلال، هذا الأخير لم يقدر على مفاجأة الدفاع الجزائري. وبعد انذار ثاني مجاني لصاحب الهدف الجزائري معمر ماموني، الحكم ألان هامر أقصى عن الميدان ليزيد من تعقيد الرسم التكتيكي للجزائريين. وما إدخال المدافع مولاي حدو مكان المهاجم منصور بوتابوت إلا تأكيد على نية المحافظة على نتيجة التعادل. من جانبه المدرب محسن صالح أدخل محمد بركات مكان أحمد حسن اللي أعطاه كل ما عنده إلى حد الدقيقة 71، بالإضافة إلى إقحامه للاعب الخبرة متوسط الميدان هادي خشبة مكان قلب الدفاع عبد الظاهر السقة في ظل التفوق العددي. ومرة أخرى الهجوم المصري في الموعد، لكن توزيعة القيدوم هادي خشبة لم يستغلها أحمد حسام كأحسن ما يكون وضاعت كورته الرأسية خارج المرمى. آخر ورقات المدرب محسن صالح كانت حازم إمام اللي عوض طارق السعيد. وبعد الاستماتة والصمود الدفاعي جاء الانفراج الجزائري بتوقيع الرائع والممتاز حسين الشيو متوسط ميدان اتحاد العاصمة لتنقلب الأحداث رأسا على عقب وسط أجواء شعبية جزائرية لا توصف. هدف بكل تأكيد جاء ضد مجرى اللعب والأحداث، لكن وزنه من ذهب لمنتخب منقوص من خدمات لاعبه معمر ماموني منذ الدقيقة 60، تأكيد جديد على حسن رؤية المدرب رابح سعدان. مباراة مثيرة جدا انتهت لصالح الجزائر وأجبرت مصر على تحدي قادم حتمية الفوز على حامل اللقب الكاميرون في مباراة القادمة للمرور إلى ربع نهائي المسابقة.